Et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, le thème, ça va être Poppy Playtime et plus précisément Project Playtime, qui est donc un jeu multijoueur dans l'univers de Poppy Playtime. Sachez qu'il y a des collaborations qui sont prévues sur ce jeu prochainement sur ma chaîne Twitch, dont le lien est dans la description. Et là, aujourd'hui, ce que je vais vous faire sur YouTube, je vais vous faire le tutoriel qui est en début de jeu. Comme ça, on va un petit peu voir à quoi ça ressemble, comment ça se joue et on saura à quoi s'attendre pour les fois où je jouerai en live. Voilà, du coup, c'est parti, on y va. Petite bande-annonce de début. Je me cache. Enfin, j'essaye. Ah ! Ah ! Attendez. Je disparais. Burk. Oh, il lui avait fracassé le crâne. Oh merde. Oh oh. En voilà un qu'on connaît. Donc je vous explique vite fait ce que vous voyez. Le jeu, ça va être un 6v1. Donc vous aurez un joueur qui sera le monstre. Et 6 autres joueurs qui devront, de ce que j'ai compris, construire un jouet pour se barrer. Et ça va être beaucoup de la coop, de ce que j'ai compris. Ok, donc vous avez bien les monstres emblématiques donc de Poppy Playtime. On a Huggy Wuggy et Mama. Ah, et donc ce passage-là, j'avais déjà vu. Ceux qui connaissent, qui l'ont déjà vu, vous savez ce qui se cache là-bas. Pour les autres... Je ne dirai rien. Oh, il est tellement effrayant, lui. Oh mon dieu. Oh la vache. La violence de cette attaque, c'est horrible. Et bienvenue du coup sur Project Playtime. Je vais donc vous faire découvrir le tuto tout de suite. Let's go! Donc c'est encore c'est un early access, donc ils disent bien que c'est encore en développement. Mais bon, donc c'est normal que s'il y a des bugs, on va tester. Hi there. My name's Leigh Pierre, and welcome to your job as a resource extraction specialist. Now, first things first. As per your agreement, anything you do, hear, see, etc., is strictly privileged. You're never to share any of your experience here with anyone, in any instance, for any reason. Whether that be your closest buddy, your sister's boyfriend, or in a court of law. In short, just don't go spouting off about this job. Let's get started. Usually we'd have five other guys working with you to speed things up. But for training purposes, it's just you. Here's the job. You need to collect toy parts to make a giant toy. Get that giant toy on the train, and leave. There's a big pillar in front of you with 3 puzzles on it. When you solve all of the puzzles, the pillar will dispense 1 of the toy parts needed. Go ahead and get started. Le monde de Poppy Playtime, ça c'est clair qu'on y est. C'est... Ah bah. Mais c'est vous qu'on a vu tout à l'heure, monsieur. C'est génial. Oh. In this one, the piano will play a sequence of notes. And you just have to play them back. Il faut juste les jouer pareil. Donc je suppose que c'est des jeux qu'on pourra faire en multi du coup là quand on sera avec les gens. Oh, ça va être génial. Imagine avec la pression du monstre. Oh putain c'est long en plus. One down. Okay.
Donc là j'en ai fait un, c'est validé. Et c'est tout, donc je suppose qu'il faut que j'aille... Ah, faut que je fasse les autres autour. Ok, these buttons are all gonna flash randomly to generate a code. Okay, donc là il y aura un code fait avec des lumières. It'll settle on a code which will flash 3 times in a row. Those are the buttons you want to hit. To complete the puzzle, you'll need to put in 2 of these codes. Donc il va y avoir 3 codes, il faut réussir à en faire un. Ok. Je me souviens pas exactement de la position. Ah bah je l'ai. Ok. Ouais, c'est dur. C'est vraiment des jeux de mémoire là les gars. C'est super chaud. Ok, donc là j'en ai eu 2, il en faut 2 sur 3 du coup pour réussir. Donc c'est validé. Et dernier jeu. Et quand ça s'allume, faut toucher tout de suite. Ok. Là c'est de la rapidité. Donc, c'est moins de la réflexion là pour tout, c'est cool. Y'a pas que de la mémoire. There's always a deposit somewhere nearby. Just find it and toss the toy part in there. It'll do the rest. Donc, je suis censé avoir la... Ah! La pièce de jouet. Ah, elle est là. Ok. Collect. Ok. Et il y a toujours, il a dit un truc pour poser le jouet. Donc ça doit être ça, là-bas. Vous voyez, il faut que j'aille le mettre là-bas. Ok. Bon, bah, let's go, on va chercher. Hein. Ça doit être par là. M'inquiète, c'est que j'ai toujours pas croisé le monstre et je suppose qu'il va arriver très bientôt. Hold on, something's not right. See that door with the big orange handle? You should shut that. Quickly. Cette porte? Quelle porte? Quelle porte? Quelle porte? Quelle porte? Mais c'est bizarre, ça me fait comme si... Ah d'accord, non, d'accord. J'avais pas compris. C'est ça qu'il faut que je ferme, regardez. Heureusement qu'on fait le tuto, hein. En fait, c'est ça qu'il faut que je ferme. Ensuite. Ok, donc je suis obligé de maintenir la touche. Wow. Il est là, regardez. Wow. Attaque player intelligente. Wow, j'ai eu peur. Yeah, be careful. Those doors don't hold shut for long either. Okay, les portes ne restent pas... Oh, les portes ne restent pas fermées à l'infini. À retenir, les gars. Okay. Là, c'est là où toutes les parties des jouets vont. For the whole toy. Grab the handles on that pipe there and begin pulling. See, our engineers set up this cool piping system that'll suction the toy straight from this machine right onto the train. You'll have to do this every time you finish making a toy. Ok, donc toutes les parties du jouet vont ici. Et après, il faudra qu'on se mette à plusieurs, je pense, pour fermer ce machin et ça va envoyer ça dans le train. Il faudra le faire à chaque fois qu'on a terminé un jouet. Oh, je suis pas serein. Uh-oh. Okay, stop. You see that locker behind you? Get inside. Now. Le truc derrière moi? Locker? Quoi? Ça là? Non? Attends. Ah, ça là. Might want to hold your breath so he doesn't hear you. Oh, d'accord. Oh, il y a un système de cachette avec des casiers. Ok. Ok. Coast is clear. Get out of the box. Ok, et une fois que c'est passé... Oh, yeah. Oh. One thing I neglected to mention. The reason we need people like Enculé. You to get these parts is because these extraction sites aren't exactly secure. Sharon, I need you to start looking for a new resource extraction guy. Ils ont fait exprès pour me montrer ce que ça faisait. Oh là. Those two are still alive. Oh, il y a des joueurs là. Ah non, c'est des PNJ. Lucky for you, buddy, with their help, the three of you can survive down there just fine. Probably. Ok, c'est ce nouveau mini-jeu, il faut les empêcher de sortir. Oh mon dieu.
Oh, well, that's one less pension to worry about. Oh mon dieu, ça va tellement effrayant le jeu. You can help it. Just smack them away and... Oh, just a fair warning. These guys get more agitated the longer you're here. Fall down here three times and you're dead. Okay, Bill's pulling you out now. Donc il faut que je les attrape, en gros. Quand vous êtes là-dedans, il faut les frapper le plus possible. Et si vous êtes attrapé trois fois, vous êtes mort. Why don't you go save Johnny? I think he's earned it. Find an open hole, shoot your hand down and drag him up. Ok, donc, voilà, quand on veut sauver quelqu'un, une fois que la porte est ouverte, vous mettez votre main dedans, et vous tirez. Et du coup, ça va le revive. Oh, c'est génial, le système, il est pas mal fait. Okay, now, finish getting voilà. That pipe into place and get out. Maintenant, il faut remettre ça en place. No time to lose. The piping system sent the toy to the train. Last thing is to get back on the train and leave. Ah merde. Je m'en fous, je vais avant toi. Blazes with short ceilings like this one slow the monster down. Now make haste. Oh putain, c'est encore un système de tuyaux comme ça là. Allez hop. Non. Ah merde, je me suis trompé de route. Attendez. C'est pas le bon endroit. Je suis tenté. Oh putain, il y a moyen de se perdre alors dans ce genre de truc. Oh la musique elle est épique par contre là. Ah oui. Ok. Put your hand on that panel there with the train symbol on it. That'll call a train to your location. Il faut mettre la main sur ce truc. Ok, pour appeler le train pour s'évader. Oh là là. Train should be here shortly. Voilà, le train devrait arriver. I know it got a little rough out there. If you ever find yourself as the last person standing, we'll send a train to extract you alone. But don't worry. It's not gonna come to that, all right? Oh la vache. Ah, ça te fout une pression cette musique là, c'est génial. Ah, je sens qu'on va s'amuser les gars, hein, je pense qu'on va s'amuser comme de fou hein, sur ce jeu. Ok. Et là, prochaine étape, monter dans le train. Y'a un truc qui arrive. C'est le train. Ok. Let's go. Ok. That about concludes your training. Remember, complete those puzzles to get toy parts. Pull that pipe into place, then leave. Simple, right? Get to it. Hush, hush, and all that. Ok, bon ça va, c'est pas trop compliqué à comprendre en vrai. Il faut juste bien jouer. Ah. On joue le monstre, les gars. C'est trop bien. Oh la vache! Ils veulent faire des jouets. Comme toi. Mieux que toi, pardon. Ok, donc là, bah, le but c'est de les stopper. Mais alors, du coup, comment je sors? Ah, press space to jump. C'est un truc un peu à la DBD. Le monstre va voir les endroits où il y a les morceaux de puzzle. Et son but, ça va être de les protéger. Ils ont récupéré un morceau de puzzle. Ok. Oh là là. Ok, donc le but c'est de les choper quoi, tout simplement. Attends. Left click to pick up survivor. Ah attends. Ah je peux. Oh. Oh. Ah mais oui, il faut que je prenne le survivant. Oula, ça bug un petit peu. Ça bug un petit peu. Hein. Et je les envoie là-dedans, ok. Okay. Let the smaller monkeys keep watch. Leave one here.
survivor is spotted, there are five harpies at your disposal. Il y a 5, ok. En fait, ça, c'est une sorte d'alarme dont je vais poser un petit Huggy qui va hurler dès qu'il y aura un survivant qui va passer devant. Et ça va me faire un signal sonore. Okay. Donc on va mettre un petit Huggy genre là. Ensuite lui il faut que je le... Voilà, il faut que je le chope. Put them into the ground. Ah voilà. You will learn to sabotage their progress. Ah, on peut saboter les machines. Oh ouais, c'est un truc DBD-like. C'est du DBD-like le système, là. Comment je fais? Shift. Oh, je peux me mettre à courir en fait. Avec Shift, j'ai un... D'accord, ok. Oh là là, mais c'est génial. Un petit peu bugué par contre quand on attrape les gens, genre ils tombent constamment. Tiens, vous voyez, il a réagi, donc ça me fait un petit bouton rouge quand ils apparaissent. Où est-ce qu'il faut que j'aille là? Oh, wow, la vache, la façon dont je cours. Brise-les en morceaux, oh la vache. J'adore, c'est génial. Le système de monstres est génial. Franchement, c'est un plaisir de jouer à ce truc. Et là, je suis censé faire quoi? Ah bah c'est bon. Ok, je les ai exterminés. Bisous. Eh franchement, le système de jeu est vraiment cool, hein. Main upload. Oh, ok, d'accord. Donc le tuto est terminé, les copains. Franchement, le jeu est insane. Maintenant, bon, on va voir si ça marche correctement. Mais sachez qu'il y a une collab qui est prévue dessus avec quelques copains. On sera 7 dessus. Donc j'espère que le jeu fonctionnera au moment là. Merci en tout cas tout le monde d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous du coup sur Twitch pour la collab. Vous avez le lien dans la description avec la date de quand est-ce qu'on fera la première. Et sinon, vous pouvez suivre mes réseaux sociaux pour savoir s'il y en aura d'autres. Des bisous en tout cas tout le monde, merci encore d'avoir suivi, n'hésitez pas à follow si ce n'est pas encore fait, et rendez-vous très bientôt pour les prochains lives. Des bisous, bye bye, ciao !